Laissez jouer le scorpion. Salut et bienvenue. On se retrouve pour le 17e épisode de Ish 9 et on reprend dans le donjon où on était après avoir vaincu le gros golem de pierre. Alors. Passage secret. Et voilà. Hop, faut rester sur la dalle. Bon. Ouh, on se fait attaquer. Viande fumée. Notre coffre en haut. Bah non, il est sous-sol. C'est à récolter. Alors oui, il y a un papillon qui est à récolter. Ouah! Il est 31 ça part là. Bon, ça n'a pas l'air très dangereux. Ça a de la vie. J'attaque peut-être pas au point faible, peut-être ça aussi. Bon, une nouvelle capacité pour Alda. Ah, ça rapporte de l'XP et plein d'items. Bon, alors. Le coffre il est où ici? Bon, il y a des pas. Le coffre là-haut. Mais non! De l'argent. Bon, ok. Alors, un coffre suivant, il est là-haut. Comment on peut monter ici? Alors, est-ce que je reste sur la branche quand j'y vais? Un bandana bleu. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Branche à péter ici. Easy.
Ça sera sûrement pour récupérer le coffre qui était en bas. Voilà. Et un bracelet de lumière. Attends. Reste un coffre là-bas. Merde. Ok. Oups. Bon, comment y aller? Pas qu'on puisse grimper dessus. Ok, on va savoir. Ah non, il faut pas qu'on grimpe ce mur là. Ah. Assez haut pas qu'on puisse grimper comme ça. Ouais, absolument. Allez là. Ok, ça marche. Ok, là on peut tomber ici, on va pouvoir remonter, il y a plein d'ennemis. On va d'abord aller chercher le coffre. Potion d'adepte, hop là. Il y a comme 50 000 chemins, je sais pas c'est quoi la bonne direction à prendre. Ça fait de l'XP. Bon, il y avait là-haut. Tu peux aller là-haut, je peux. Bon, voyons voir. Donc, il reste des affaires à récolter. Il attaque quoi lui? Ah. On va monter les compétences des autres. C'est comme si dans son corps. Hop, on arrive sur la sommet. Ok, hop. C'est bon. Il y a lui là-haut. Et...
Fleur de camomille. Non, pas d'ennemis là. Ok, donc il reste le coffre là-bas. Oh, ça tombe ici. Je suis con. Alors, on va enlever ça, on voit rien. Remonter. Non, pour par ici. Merde, je suis perdu. Cibler. Ah non, ça marche pas. Ah, je me rapproche pas assez pour pouvoir utiliser mon skill de téléporte. Au moins, on se soigne comme ça. Ça du boss. Ouais. Petite perte de temps. Brassard de tuerie. Et de la musique comme ça, c'est que c'est censé être un super bon item. Alors, équipement, on va regarder ça. Brassard de tuerie. Donc, grenade à bleu, conso, PC, 4/5e. Oh, c'est pas mal quand même ça. Et quoi dans la liste? Brassard de tuerie. Une armure? Non. Brassard de tuerie, vitesse de regain de la jauge de don, relique. Ok. Hop, un relique. Ah ah, ok. Bon. Capacité. Toi, t'es au max. On va mettre l'âme des abysses. Je l'ai pas mis. Hop là. Toute 60 quand même. Ici, toi t'as rien au max, niveau 2, 2, 1, hop, ici, 1, 1, 1, 1, hop. Ok, bon, c'est ça de même. Maintenant, prenons le bon chemin, parce que là, on va tout ramasser. Alors là, la porte ici, elle est fermée. Donc, voilà. Mécanisme, il semble être à l'intérieur. Là, on a quelque chose. Juste des feuilles étincelantes. Donc, on va voir autre chose, autre part pour ouvrir la porte. Suivre les traces de pas. Il y a une dalle en bas. Mmh.
Tu poses en haut ici. Ah, j'ai d'énergie. Bon, c'est par là qu'il faut aller. Bye bye. Et voilà, on ouvre la grande porte. Ok. Alors, on ne peut pas les laisser comme ça, on doit récupérer la statue. Bah, on doit récupérer la statue. Comme pas le choix. Alors ouais. Allez, j'étais dans les bas. Ok, en tout cas celle-là, elle est pas sensible. Une qui est plus sensible que les autres. Pourquoi il me cible la patte? Comment ça va? Laquelle tu peux attaquer? Ça va, tente. Pourquoi il disparaît?
celle-là. Hop. Empoisonné. Regain 500 PV deux fois. Bon. Pas celle-là. Là. Pas d'ordre précis ou quoi? La la la. Ça y est, thank you. Yes. Oh, nous l'avons vaincu. Mais ils se sont encore enfuis. Oh non. C'est pas étonnant, on s'est fait avoir comme des bleus. La prochaine fois, je tranche dans le vif. Ouais, bon, on avait comme pas le choix en même temps. Il fallait à tout prix combattre le boss. Cet endroit est bien différent. Oui, nous sommes dans la prison. Ce passage était donc bien relié. Le chemin qu'on a pris était donc un des accès du châtelet de Balduk. Les gens de l'époque étaient malins de se garder des sorties de secours comme ça. Je n'aperçois pas les voleurs. Continuons d'avancer prudemment. Avant de continuer, je pense que nous ferions mieux d'inspecter un peu plus par ici. Yeah, là, là. Allô? Ah, ok, il nous met directement dans la bonne direction. Le coffre est vide. Sérieux? C'était un piège. Nous sommes enfermés. Regardez, les fameux monstrums sont à notre merci. On vous a bien eu. Dès que je l'ai vu, ce coffre m'a semblé louche. Boss, étrangement, votre intuition fait souvent mouche. Maintenant, ils vont enfin arrêter de nous poursuivre.
On n'a plus qu'à rebrousser chemin et à s'enfuir loin d'ici. Ha ha ha! Et si on prenait leur place à partir d'aujourd'hui? Ah non, en fait, on risque d'être poursuivis à notre tour. Boss, regardez là-bas. Hein? Tu vois pas que je réfléchis? Mais d'où ils viennent? Ça craint, allez, on se barre d'ici! Boss, il y en a là aussi! Quoi? Vite, allons nous réfugier dans une cellule. Ils vont s'enfermer eux-mêmes. Allez, ferme la porte. Oups. Imbécile, ne me dis pas que tu as fermé la clé. Mais on ne ferme pas la porte, ils peuvent pas entrer. Mais si on ne ferme pas la porte, ils peuvent pas entrer. Ils peuvent entrer, je veux dire. Bref. On dirait qu'ils s'en vont. Piouf, on est sauvé. C'est bien beau tout ça, mais du coup, on est tous enfermés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va sûrement tous mourir de faim ici, non? Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes les vrais monstrueux, faites quelque chose. Ouf, on est sauvé. Roi Rouge, vous avez de nombreux talents cachés. Pratique de t'avoir dans notre équipe. Libérez-nous aussi, s'il vous plaît. On se rend, promis. Vous n'allez quand même pas nous laisser mourir ici, hein? D'accord, mais rendez-nous la statue sacrée que vous avez volée dans le quartier des artisans. Bon, d'accord. Mais on vous la rend seulement une fois que vous aurez ouvert la porte, pas avant. Mouahaha, pas de problème. Plus sérieusement, on fait quoi? On ne peut clairement pas leur faire confiance. Je suis d'accord. Et si on leur faisait déposer la statue au fond avant de leur ouvrir la porte? Comme ça, il suffira d'aller la prendre une fois qu'ils en seront sortis. Pas de problème, on va juste la poser par terre, c'est ça. Boss! On a tellement galéré pour la voler. À la fin du monde, on doit penser à notre futur hors d'ici. C'est une faute. Voici donc la statue sacrée. Bon, maintenant, venez tous devant la porte. Mouahaha, au moindre mouvement suspect, je vous taille en pièces, compris? On va rien tenter, promis, dépêchez-vous de nous faire sortir. Roi Rouge, vous pouvez vous en occuper. Ah! Hein, quoi, tu m'as fait peur? Falco, c'était quoi ce sifflement? C'est un signal utilisé par l'ordre pour indiquer qu'il y a une urgence. Dans très peu de temps, cet endroit va grouiller de chevaliers. Vous nous avez piégés! Vous n'avez pas de cœur ou quoi? En effet, je n'en ai pas, car je suis une poupée. Ça venait de là-bas! Il y a quelqu'un? Ils n'ont pas perdu de temps. Là, un peu. C'est vraiment trop gentil. De toute façon, ils allaient se faire attraper. À se balader comme ça dans la prison, les choses se sont simplement un peu accélérées. Haha. Bon, et si on arrêtait de papoter et qu'on partait d'ici maintenant? Vous allez nous le payer! Bande de sans-cœur, vous êtes la honte des monstrums! J'y crois pas.
Nous voilà revenus ici. Ou pas, pourquoi avoir pris la statue ainsi? Je ne saurais vous le dire. Quand je l'ai vue poser ainsi sur le sol, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mon corps s'est mis à bouger tout seul. C'est pas une explication, ça. Et a priori, je doute que t'aies le moindre lien avec la sainte. Oui, c'est très étrange. Au moins, nous savons maintenant que certains passages relient la prison à l'extérieur de la ville. Tant de choses ont tellement évolué depuis qu'Adol nous a rejoints. Dans cette pleine lune de Grimwald était bien coriace, je le reconnais. Pas étonnant qu'elle ait donné autant de fil à retordre à Aprilis aussi. Notre mission est terminée, retournons en ville. Ouais, je crève de faim. Moi aussi. Hein, tu as besoin de manger, toi? Non, car je suis une poupée. Mais j'ai pensé que cette réponse serait plus appropriée. Voilà, c'est raté. Ça me fait penser à Soul King dans One Piece qui fait toujours des blagues, genre. それじゃ、俺は行くぜ。任務サボってんのそろそろバレちまうだろうし。今日は、まあまあ楽しかったぜ。ちゃんと騎士団のお仕事に戻るんですね。いい加減に見えて、ちゃんとしているというか。私も店を留守にしているので、一旦戻ります。 聖女像は戻しておきますので、心配はご無用です。あ、はい。よろしくお願いします。戻しておくって、大丈夫なのかな？アドルさん、少しですけど、あの二人のこと、前より知ることができた気がします。 自分たちの力についてはよくわかりませんでしたけど、アプリリスさんって結局何者なんでしょうか。そうですよね。満月のグリムワルド。アプリリスさんも驚いていました。私たちには想像もつかないことが起きてる気がして。 でも、私たちはできることを精一杯やるしかないですね。ああ。そうかな。あ、私もお店を開けたいので、そろそろ戻りますね。アドルさん、それじゃあまた。 あの話聞いたか？ あの話とはどの話だ？ あの話って言ったらあの話だよ。 ほら、職人街を荒らした奴らの。 ああ、盗賊団の連中が監獄の中で見つかった件か。 盗賊どもは怪人たちに騙されて牢に入れられたそうじゃないか。 そうなのか？ また怪人たちが監獄内に。 そのうち奴ら、この塔までやってきても不思議じゃねえ。 不思議というなら、監獄内にある騎士団の施設なんだが。 いや、なんでもない。 なんだよ、余計に気になるじゃねえか。 とにかく我々は余計なことをせず、 任務を果たすのみだ。さっさと巡回を続けるぞ。 Bon, on est de retour avec le deuxième Adol qui est déjà dans la prison, mais avant de continuer, c'est ici qu'on va s'arrêter. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cocher la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo de la chaîne et laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à de prochaines aventures. Ciao!
Bye bye.